tous les automobilistes le savent, tenter de se garer au centre-ville de Pointe-à-Pitre, c'est plusieurs dizaines de minutes de perdu. Et surtout, c'est payant. La mairie vient de publier le nouveau tarif du forfait post-stationnement, c'est-à-dire les amendes à payer si vous ne réglez pas le parcmètre. Dans l'hypercentre, ce montant peut atteindre 20 euros, et sur les zones plus excentrées, il peut aller jusqu'à 10 euros. Mais pour les habitants, ce n'est pas le montant qui pose problème. Ils peuvent mettre des parkings payants, oui je suis d'accord, mais partout non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Pour moi, le problème, ce n'est pas de payer, c'est de trouver la place. Quoi. Parce que s'il faut payer, qu'on puisse avoir une place. Par rapport à ma profession, quand on arrive à côté du palais, il est quasiment impossible de se garer. Hein. Donc, par ailleurs, y a des parkings, mais qui sont suffisamment éloignés. Et il n'y a pas de moyen de transport qui puisse nous conduire au travail. Quoi. Cette nouvelle tarification permettra-t-elle de libérer des places? La mairie s'en est donné les moyens. Car tous les parcmètres devraient être fonctionnels d'ici lundi. Vous regardez ETV.